Yoshi Family, c'est Yoshikira et on voit l'océan partir au loin. En tout cas, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode 9 de Let's Go Evoli. Let's Go 100%. En tout cas, j'espère voilà que vous allez bien. Après cet épisode très long du dernier épisode. Oh, mais ça me dit quelqu'un cette personne? Qui que c'est? On dirait Oléa. Mince alors. Oh, ils l'ont refait. Mais c'est génial. J'étais tellement concentré sur mon dessin que je n'ai pas remarqué que le bateau avait pris le large. Mais comment vas-tu faire? Je pense que je vais rester ici pour le moment. La mer de Kanto est si belle, j'adore. Je sens l'inspiration m'envahir. C'est peut-être un tournant dans mon art, le début d'une période bleue d'Oléa. Oh, la période bleue d'Oléa. Oh, ça va être cool. Voilà, donc au programme aujourd'hui. Ah, on a Guido qui nous fait signe en mode coucou. Au programme donc aujourd'hui justement, l'arène, on va se soigner car c'est important de se soigner. Cette arène qui risque d'être peut-être compliquée avec le Major Bob, mais on devrait s'en sortir plus ou moins bien. Voilà, on a le retour de la latence. Hein, voilà, bienvenue au centre Pokémon. Voulez-vous les soigner? Oui. Donnez-moi votre équipe un instant. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, le sixième, vous l'avez à l'écran. Donc voilà, on a de nouveau une grosse latence. Ça doit être suite au bug de l'épisode précédent. Il faut que je remette les framerates à fond afin de vous proposer une qualité hors du commun. Lol, dit-il avec un fond vert absolument pas tendu derrière. Allez, c'est parti du coup pour cette arène qui risque d'être, ma foi, costaud. Salut champion en herbe, l'arène de Carmin-sur-Mer est juste ici. Si tu veux atteindre l'entrée, il te faudra trancher le tronc de cet arbuste qui t'empêche d'avancer. Mais je vois que ton petit Evoli s'y connaît déjà en bûcheronnage. Vas-y, essaye de trancher l'arbuste pour voir. Alors, cet arbuste, c'est ce tranchage. Mais voyons voir cette animation. Hors du commun. Voilà. C'était tout aussi simple. Alors là, je suis scié, jeu de mots. C'était un travail de professionnel. Maintenant que ton petit partenaire a tranché l'arbuste, il ne reste plus qu'à partir à l'assaut de l'arène. Ok, c'était ça la win condition. Vas-y, je crois en toi. Bon, Major Bob. On va éviter en soi de mettre Rookoops devant. On a qui? On a qui? On a quoi? Pikachu qui est niveau 19, Rookoops niveau 20. Ben, on va y aller à coup de Spoinky cette fois-ci. Spoinky qui peut se heal, qui peut cramer des Magnétis et des Voltorbes. Les Voltorbes qui peuvent exploser. Mais ça va être costaud, je pense. Oh, petite arène fort sympathique. Avec 1, 2, 3 dresseurs. Ça va le faire. Ok. T'as encore quelque chose à me dire? Je t'attendais, champion en herbe. Major Bob a un surnom ici. On l'appelle Mister Survolté. C'est un expert en Pokémon électrique. Ce qui ne présage rien de bon pour les Pokémon vol et eau. Fais également attention à la paralysie. Ces Pokémon peuvent affliger le tiers. Et sois très prudent, il ne sera pas simple d'arriver jusqu'à lui. T'inquiète, Popiette. Un marin. C'est pas un endroit pour les gamins ici. Donc la fameuse épreuve des poubelles. Ça fait plaisir. Harold, le marin, veut se battre. Et tu m'envoies un Magnéti. Très bien. Le Magnéti qui va se faire dégommer par le petit Evoli. Ça, c'est cool. Donc on va faire notre Evo Flambeau. Voir ce que ça donne. Ah, c'est pas l'OHKO, mais on la burn. L'éclair qui peut para, mais le burn qui va peut-être le finir. On va se soigner sur son dos, hein, l'Evota à l'assaut. Et là, les attaques haut soignent les brûlures. Ça serait ouf qu'ils aient enfin mis ça. Mais de toute façon, ça soigne que dalle vu qu'il est mort. Tout simplement, voilà. On se heal sur son dos et l'ennemi est KO. Très bien. Premier combat, sans trop de soucis. Ça serait bien qu'on capture quelques petits Pokémon. Hein. Peut-être qu'on va se faire la cave Topicœur au passage. Hein. Du moins la visiter, capturer un Topicœur et un Triopicœur. Toi, tu me proposes quoi? Je suis un poids-plume. Allez, je suis bon avec l'électricité. Très bien. Voltorb ou Electek? Electek, Voltorb. Non, Electek, je dirais plus pour Major Bob. Pourquoi pas? Kylian, le Télectinicien. Ok. Voltorb. Ok, c'est un électrique pur. Il en a deux. Ça peut faire boum. Ça peut faire boum à tout moment. L'Evo Flambeau, allez, on y croit. L'éclair, il est plus rapide.
Bon, c'est une boule, ça roule, hein. En soi, c'est à peu près normal. Oh, double burn. Mais franchement, on est chanceux sur le burn, là. Allez, roulez vos flambeaux. Voilà! Voilà ce que je voulais éviter. Ok, ça fait trop de dégâts. La destruction qui était pas ouf. Niveau 22 pour Spoinky. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et les vos flambeaux qui échouent, ok. Voulez-vous passer à un autre... Non, on continue sans changer. Les Voltorbres qui font kaboum, on risque rien en soi. Et du coup, on est à l'épisode 9. Tous les trois épisodes, pour l'instant, on est sur un champion. Et ça, c'est cool. Bon, ok, l'épisode précédent a duré longtemps. J'aurais pu le faire en deux parties comme j'ai pu faire le Mont Sélénite, mais en soi, je me suis dit que non. C'était pas super, super oufissime. Voilà. Ok, le Voltorbre souffre de sa brûlure, c'est normal. Ben on va se soigner avec les vos Thalasso, à moins qu'il me fasse un autre kaboom. Non, Météore, ça n'échoue jamais. Du coup, on va se soigner un peu sur son dos pour le troisième dresseur. Tranquille ou bilou. Et je pense qu'avant de taper le Major Bob, on ira se soigner. Je pense qu'il va être niveau 25. Je vais être un peu bas en level. Ok, Rookoops monte au niveau 21. Et on a battu Kilian qui est grillé. J'aime bien son skin à lui, il est sympa. Et du coup, notre troisième dresseur qui est un gentleman aux guérisons. On commence à avoir l'habitude. Et qui nous dit, à l'armée, Major Bob était mon supérieur. C'était très instructif d'être sous son ordre. Ok, t'es plus vieux que le Major Bob, mais c'était ton instructeur. Nique la logique. Anatole. Ok, tu m'envoies un Pikachu. La difficulté va être plus difficile. Qu'est-ce que ça va donner tout cela? On va faire un Evo Flambeau pour le burn. C'est vrai que Major Bob a aussi un Raichu en soi. Le Raichu qui risque de faire beaucoup de dégâts, je pense. C'est vrai qu'un Topicker ou un Triopicker n'aurait pas été de refus dans cette arène. Mais c'est pas bien grave. Allez, les Votalasso pour soigner de la. Je vous l'avais dit, hein, la guérison. Et les Votalasso qui va faire que 3 de dégâts du coup. Hein. Ah non, quand même! Ah, c'est parfait! C'est petit soin de heal, petit soin de heal, non, petite attaque de heal, le double pied, c'est super efficace par contre. Ah putain, le Pikachu qui peut avoir frappe à classe aussi en face. Ça va être Tandax. Bon, on verra bien ce qui va se passer. Déjà, on va aller se soigner parce que c'est important de se soigner. Et puis voilà, on croise les doigts que tout se passe bien. Voilà, on a battu Anatole, on a encore remporté des sous. Donc on va se soigner et voir ce qui se passe juste après. Et donc voilà, par la magie du montage, nous allons, voilà, une poubelle rouge, c'est très bien. Il n'y a rien que des détritus. Donc on va devoir fouiller les poubelles, voilà, et trouver la bonne poubelle qui va avec le reste. La poubelle bleue, allez, hop, c'est une poubelle bleue, nice. Ah, il n'y a rien que des détritus dommage, il n'y a rien que des détritus dommage. Il y a un bouton au fond. Ok. Une barrière électrique s'est levée. Donc en soi, je dirais que le deuxième serait... Enfin, si techniquement le deuxième est à côté, on va le dire au-dessus. Hein. Et clic. Voilà. Voilà, cette arène a été faite. Enfin, a été faite. Il nous reste plus qu'à affronter ce cher Major Bob. Voilà, on se met de côté. D'accord, et on réapparaît derrière. Bienvenue à l'arène de K. On va faire un mode soldat. Bienvenue à l'arène de Carmen-sur-Mer. Ici, on passe au bras. Ici, on passe au Brada et on prépare au combat. Ma parole, un rookie qui débarque, c'est la journée ouverte ou quoi? Tu oses me défier avec ton petit niveau? Tu n'as pas froid aux yeux, soldat? Qu'est-ce que tu crois? Les combats Pokémon, c'est la guerre. Tu comptes tes dents, tu vas morfler. Mes Pokémon électriques vont t'atomiser. Mouais. T'as pas un très joli skin, hein? En soi, voilà. Major Bob veut se battre. Et nous envoie un petit Voltorbre. Le Voltorbre qui peut faire kaboom, il en a 3.
Enfin, il a 3 Pokémon, donc Voltorb, sûr. Peut-être Magnéti en deuxième Pokémon et Raichu en 3. C'est obligé qu'il y ait un Raichu là-dedans. Les Vaux Flambeaux, voilà. Le Voltorb. Niveau 25, putain. Ah ouais, on est vraiment très bas en level. On est vraiment très très bas en level. Mais on croit au pouvoir de l'amitié. Voilà. Du coup, on va en profiter de l'Evo Thalasso. Le tonnerre. Ouais, voilà. L'Evo Thalasso qui va nous permettre de se heal dessus. Le 3HKO, c'est jouable à part s'il pose une guérison ou une connerie comme ça. Ouais, il est dans le rouge. On tente le double pied. On n'a pas besoin de l'Evo Thalasso sur ce tour-là. Le tonnerre. Ah si, on aurait peut-être eu besoin. Peut-être. Ouh, 23 PV. Est-ce qu'on switcherait pas sur le prochain? Est-ce qu'on se ferait pas plaise en posant. Je sais pas, je me tâte, je me tâte, je me tâte. Tu m'envoies Magnéti. Changer de Pokémon. Ah ouais, mais Goupix, il est si bas en level. Non, on change pas au final, on change pas. C'est vrai que Goupix est très bas en level. Niveau 25, l'Evo Flambeau. On est plus rapide qu'un Magnéti. Ok, le coup critique, le burn qui va peut-être le finir. Non, il va peut-être me finir moi, par contre. Ouais, il me finit moi. Ah, pauvre. Allez, 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 allez. Il te reste, ok. Goupix, est-ce que tu as accès à Vive Attaque? Oui. Ok. Le Goupix peut faire son taf juste ici. La Vive Attaque. C'est bon. Il n'a pas d'objet de soin. Il n'y a que les gentlemen qui peuvent se soigner en mode oh, j'ai de l'argent et tout. On peut soigner. Voilà, le Goupix qui s'est fait un level 10 au-dessus de lui. Ça fait super plaisir. Le feu follet qui peut burn. Alors ça, on le prend à la place de Mimikeu. Si on a l'occasion de rendre le Raichu confus plus burn, c'est tout bénef. Bon, il y en a un des deux que ça va être plus difficile à gérer. Ok, Raichu. Raichu, Raichu, on change pas pour l'instant. Le gros Raichu. Du coup, on va essayer de le burn déjà avec feu follet. Mais bon, j'ai peu d'espoir qu'il résiste. Le Goupix, voilà. Raichu qui fait supra mal en soi. Nidorino. On va essayer de l'empoisonner du coup. Et alors, on va essayer de faire avec. On a des rappels dans le pire des cas, donc on fait attention, mais on tient la route. Nidorino quand même qui a pas de défense P. Voilà. Chétiflore. Il peut endormir. Là on teste tout, hein, c'est. Major Bob qui fait un peu mal aux fesses. Je vous le cache pas. Il est trop rapide, Raichu. Beaucoup trop rapide, c'est bon. Allez, allez, le poudre dodo n'échoue pas. Oui. Ok. Et ça, c'est cool. Il lui manque juste les vents pipi pour lui. Ligotage. Voilà, on fait des petits dégâts de gratte du coup. Ça peut être très utile. J'aurais peut-être pu commencer avec Chétiflore sur ce battle-là. Et du coup, allez, on le fouette. J'aurais pu faire. Je peux faire acide aussi, en soi. Est-ce qu'on privilégie pas le stab avec. De toute façon, c'est Rookups qui va être notre suicide pour réanimer nos Pokémon. Allez, la baisse de spé, ça serait bien. Ah, c'est bien, c'est tout plein de grattes fort intéressant. On retente l'acide. Il va pas tarder à se réveiller, hein, le Raichu. Hein. Voilà. Vive attaque. Est-ce que ça va être suffisant pour me tuer? Oui. Ça va être largement suffisant pour me tuer. Il me reste qui? Il me reste Pikachu. Pikachu qui peut nous faire des petites surprises en mode coucou.
Mais je pense pas qu'il va assumer. Qu'il va assumer deux tonnerres. Le tonnerre, tiens, de mon côté. Déjà, s'il en assume un, c'est cool. Oh, il peut en assumer deux. Ah, oh, putain, ça ne l'affecte pas. Ok. Ok, on va le gratter avec ce vive attaque. Alors, attends, si moi j'encaisse tonnerre, en soi, il doit l'encaisser. Mais la cage éclair ne l'affecte pas. Oh putain, il a été plus malin que moi. Oh le saint PV de l'amour. Oh le saint PV de l'amour. Ça fait super plaisir à voir. Sac, du coup, on va utiliser notre un de nos 8 rappels. Voilà, sur du coup Spoinky. Qui n'est plus KO. Voilà. Le saint PV qui nous a fait plaisir. Et du coup, on va se servir de. Bof, non. Notre premier rappel quand même en soi. Logiquement, l'Evo Thalasso devrait le finir. Voilà, c'est une belle bataille en soi pour cet épisode. L'Evo Thalasso. Attention. Oui. Voilà. Le Raichu, il est KO. Sachant qu'il me faut aussi que je batte les dresseurs là-haut pour compléter ce 100%. Ça sera fait à un moment donné, ne vous inquiétez pas. T'es vraiment trop fort, gamin. Merci. Et costaud, le Major Bob. Ouh, tire à loin, toi. Très bien, prends ce badge foudre, c'est mérité. Bienvenue dans ce badge foudre corner. Et logiquement. Tu devrais m'apprendre tonnerre, vous obtenez une dédicace de Bob. De Bob Lennon? What? C'est quoi cet air déçu? Tu t'attendais à autre chose? Ah, je blague, soldat. Tiens, cadeau. Là, c'était 36 tonnerres. Ça, c'est cool. Ça dépote 10 000 volts, enseigne-là un Pokémon électrique. Alors, le badge est en soi la dédicace. C'est une blague. que d'aventure, mais ça ira, Spunky. Technique secrète. Et du coup, si je clique dessus, impossible d'utiliser cette S ici. Ok. Eh bien, ça a été un combat fort palpitant. Nous sommes à 19 minutes d'épisode sans cut. On va en soi faire un petit accéléré. Voilà, on va faire les combats qui nous manquent de l'autre côté. On va se soigner. Et ensuite, on va visiter cette grotte Topicœur. Voilà, histoire de se faire quelques combats. Bonjour, Ondine! Tiens, salut la forme! Bon, tu as gagné contre Major Bob. Toutes mes félicitations. Tu progresses à pas de géant. Laisse-moi chouchouter un peu ton équipe. Elle a bien mérité. Merci, Ondine. Hein? Qu'est-ce que je fais ici? Je vais piquer une tête dans la mer, pardi. Les piscines, c'est bien beau, mais on fait vite le tour. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien varier en allant profiter des vagues. Et toi, tu vas où comme ça? Tu as fait un tour dans la grotte Topicœur? Au fait, si tu ne vois pas où c'est, je peux t'y amener, ça te dirait? Bon, ben. Direction grotte Topicœur, hein, tout simplement. Ah, la grotte Topicœur, voilà. Et voilà, la seule et unique, la grotte Topicœur. Elle a été nommée ainsi parce qu'elle a été creusée exclusivement par des Topicœurs, tu le savais? Bon allez, moi je file. Amuse-toi bien et fais plein de rencontres surtout. Ok. Visitons donc cette grotte-là. Tu nous laisses pas trop le choix, on va le faire. Grotte Topicœur. Waouh, il paraît que ce sont les Topicœurs qui ont creusé ce tunnel. Paraît-il. Allez. On va aller jusqu'au bout et ensuite il y aura téléportation de combat de fin d'épisode. Histoire de bien compléter la zone de combat au-dessus qu'on n'a pas faite. Grotte Topicœur sans Topicœur, s'il y en a un. Voilà. Comme ça, on a notre capture du jour. Voilà, ça fait un petit épisode qu'on n'a pas capturé de Pokémon. Mais du coup, sac. On est à 120 Pokéball, c'est cool. Allez, oh l'excellent! Voilà, on s'est pas rouillé. 1, 2, 3, et il est capturé. Voilà, on a notre cher petit Topicœur avec la latence que vous avez de votre côté. Ok, la montée de niveau, ça fait plaisir. Voilà, on est tous assez équilibrés en point de vue des niveaux, c'est sympa. Et notre cher Boostiflore qui évolue. On va le remettre en tête d'équipe.
Parce qu'on aime Boustiflore. En soi, c'est un de mes Pokémon préférés de la première G, Boustiflore. Enfin, Boustiflore et Ampliflore, avec Smogo et Smogogo. C'est mes petits Pokémon de cœur, ces deux Pokémon-là. Enfin, ces deux familles de Pokémon. Et en plus, c'est les Pokémon de James. Donc ça, c'est cool. C'est un XL, d'ailleurs. Et du coup, voilà, les données de Topicœur ont été ajoutées au Pokédex. Pokémon de type Sol. Ok, bon, on va mettre notre cher Boustiflore en face. Hein. Enfin, en sortie. Voilà, sortir de sa Pokéball. Parce qu'on aime bien Boustiflore. Oh, t'es content? Boustiflore fait rouler une pierre. Ok. Allez. Oh, bonjour toi! Que fais-tu ici? Tu t'es perdu? Un Levenard. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bonjour, je suis un tanky. Du coup, on va utiliser une Beframbie. Alors là, c'est sûr. Ah, en plus, il saute partout, sac. Une Super Ball. Ok, ça va être comme ça. En mode... Oui, on a réussi la capture, 1, 2... Allez, du premier coup. Ah, saleté. Ok. Mais ça a été presque. On va essayer juste comme ça, du coup. Dommage, car on avait fait un excellent, en soi. 1. Ok. Est-ce qu'il y a... Tiens, petite question toute conne. Y a-t-il des Beframbies dorées? Ça peut être tellement utile. Peut-être que oui, peut-être que non. Oula. Voilà, c'est bon. Allez, on y croit. 1, 2, 3. Ah merde, j'ai oublié de mettre la Beframbie. Je sens qu'il va être casse-pied à capturer celui-ci. Ne fuis pas, ne fuis pas. Allez, on tient à toi. On y croit. Sac. Super Ball. Utilisé. Oh, tu donnes des petites claques en plus. Petit bout de chou. J'aimerais bien faire un excellent avec la Beframbie devant. 2, 3. Ouh, relou. Ouh, il est relou, Michel. Il va me faire claquer toutes mes Beframbies. Après, avec une hyperbole, ça sera peut-être beaucoup mieux. 1, 2, 3. Mais nique ta maman l'œuf. Allez, on réessaye encore deux fois. Et si ça marche pas, tant pis. Merde. Allez. Mais non, mais arrête. Arrête. Voilà, super. Ce serait bien une petite capture critique de temps en temps. Allez, dernier essai. Dernier essai, là, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas dire... Que le Vénard soit chiant, mais il en est pas loin. Allez, on balance sur le côté. Voilà. C'est bon, je commence à avoir la technique à gauche, à droite, etc. Fais-moi plaisir. Bon, allez, on fuit. Au revoir, le Vénard. Heureusement que t'étais pas shiny, sinon je me serais mais acharné sur toi. Putain, il y avait un Levenard. Il y avait un Levenard là-dedans. Mais la grotte Topicœur en soi, ça fait plaisir de pas se faire agresser comme dans les grottes des 9 Séraptes. Nocéropti qu'on a déjà, d'ailleurs. Il me semble. Je sais plus. Oui, on l'a. Et, ok, on a la sortie de la grotte. Rien d'exceptionnel. Je crois qu'il y a peut-être un objet, un endroit. Il paraît qu'il existe une grotte encore plus sombre que celle-ci. Bah, elle est pas sombre, la grotte. Tu dis de la merde, mon gars. Et retour dans cette route 2, il me semble. C'est ça. La petite musique de la route 2. Et... On a la chance d'avoir un objet ici. Eh bien, on va se terminer ici, les amis. Enfin, se terminer. Pas exactement. On va rentrer dans la grotte. Je vais vous mettre quand même une petite séquence des combats qu'il y a de l'autre côté. On se dit s'il n'y a pas un shiny, on ne sait jamais. Et sur ce, voilà, portez-vous bien. On se retrouve demain pour le prochain épisode de Let's Go 100%. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Allez, sur ce, je vous laisse en direct de tous les combats que je n'ai pas fait au-dessus de Carmin-sur-Mer. Allez, sur ce, les amis, ciao, ciao. Peace !